Bonsoir à la une de l'actualité de ce jeudi 6 décembre. Une compensation salariale de 400 roupies sera payée à tous les employés à partir de janvier prochain. La pension de vieillesse passe de 6 210 roupies. L'annonce a été faite par Pravin Jugnauth cet après-midi. Un montant initial de 330 roupies avait été proposé, ce qui n'était pas au goût des syndicats. Malgré la hausse, les syndicalistes ont fait part de leur insatisfaction. Son parcours dans le concours Miss Monde 2018 est jusqu'ici remarquable. À deux jours de la grande finale qui aura lieu en Chine, notre Miss Anne-Muriel Ravina s'est confiée exclusivement à l'Express. Retrouvez l'intégralité de son entretien sur l'Express.mu et à lire dans l'édition de l'Express de demain. Un ressortissant français âgé de 63 ans a péri noyé à Péribert ce jeudi. Son corps a été repêché par un skipper avant d'être transporté à la morgue de l'hôpital de Victoria, ce qui porte le nombre de noyades à 22 depuis le début de l'année. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'Express.mu.